Bienvenue dans Frica 0.19, ici sur Artix Linux. L'utilisation de l'atelier Sketcher en dehors de PartDesign peut être nécessaire, du moins pertinent. Voilà. Je veux créer un sketch sur cette pièce pour en faire quelque chose ensuite à partir de l'atelier Part. Je n'ai pas besoin de PartDesign, du moins je ne peux pas faire ce que je veux faire à partir de PartDesign. Donc, si j'ai une pièce qui a été créée à partir d'un sketch, j'en ai fait une révolution, et j'aimerais greffer quelque chose là-dessus. Alors, si je vais dans l'atelier Sketcher, que je sélectionne, que j'active le body 001 ou pas, je peux créer un nouveau sketch. Attendez, je sélectionne rien du tout. Hein. Si je clique créer un nouveau sketch, il va me demander XY et il va me créer un sketch sur la base de XY. Donc ça va se passer là en bas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aimerais bien travailler là-dessus. Dans Frica 0.16, je vous garantis que je ne pouvais pas le faire. C'est pour ça que j'avais laissé tomber ça. Et récemment, sur le forum de FreeCAD, une personne aimable m'a dit « Si, tu peux détecter les formes et les faces dans le Sketcher maintenant. » Donc, je lui en suis reconnaissant, d'où cette vidéo. Alors, je sélectionne la face, je crée un nouveau sketch dans Sketcher directement. Et voilà, il me détecte la face, il me dit « Voilà, c'est esquisse, on va l'attacher là-dessus. » Ok, je suis très content. Je pousse le bouchon. Créer des arêtes liées, et voilà, l'arête elle est liée, je peux tracer là-dessus, hein. Honnêtement, pour moi c'était un scoop, hein, ce truc là, voilà, je sélectionne cette arête là, cette ligne là, je la mets à l'horizontale, les contraintes sont fixées, ok, si par la suite je modifie le premier sketch que voici, je mets par exemple ici 6 mm aussi, hein, voilà. Et bien mon hexagone aura suivi, hein. Il n'y a pas de problème. Attendez, je réduis l'autre aussi. Je ne sais plus lequel c'était. J'aurais dû faire, voilà, 0,5. Voilà, ça suit, hein. Donc il n'y a pas de lézard, hein, ça marche bien. Donc, nous allons dans Part, puisque je veux travailler dans Part. J'ajoute vite fait quelque chose. Je veux dessiner un point. Voilà, je crée un point sur 000, hein, qui va se mettre sur les origines. Je ferme ça. Mon point, mon vertex, il doit se balader. Là en bas, il est vert, hein, ça ne se voit pas beaucoup. Voilà, il est là. Je vais le monter, je vais dans Z. Et je roule, je vais le faire sortir là-haut à 12 mm. Voilà, ok. Et maintenant, puisque je vais le faire dans Part, je vais créer un lissage à partir de mon sketch, de mon sommet qui est là, de ce vertex, et je vais créer un solide. Ok, miracle, voilà. Et je n'avais pas besoin d'un body dans ce cas-là, parce que j'aurais dû sélectionner la face via un shape binder, une forme liée. J'aurais pu le faire, c'est ce que je faisais jusque-là, mais la personne m'a dit, mais tu t'embêtes, tu vas directement dans Sketcher. Effectivement, je peux le faire et je suis très content, ça évite de m'alourdir des fois mon travail par des bodies superflus qui ne servent à rien. Voilà cette petite info qui a l'air de rien, mais je vous garantis qu'il a son importance et qui me débarrasse de certains bodies superflus. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.